Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du montage de la Citroën C4 WRC version 2008 de Sébastien Loeb. Voilà, donc on a monté le numéro 24 jusqu'au numéro 29. On a donc assemblé le moteur, on l'a réuni au passage de roue avant. Voilà, bon, donc il va falloir quand même que je vous dise bien qu'il va falloir faire très attention, car moi, si ça a traîné aussi longtemps pour vous faire cette petite review, c'est à cause de ça. En effet, une petite pièce d'un des amortisseurs qui a cassé ici. S'il faut mettre un ressort et l'emboîter en faisant une espèce de Z ou de S, quoi. Et en fait, la pièce, elle a beau être en métal, elle est très très, c'est très très fin et ça a cassé très facilement. Donc faites très très attention, sinon faudra faire comme moi et redépenser 11 euros pour acheter, ou 12 euros là, pour acheter un numéro juste pour cette petite pièce. Voilà, bon, après on commence à avoir un joli petit ensemble. Je pense qu'on a fait une des parties les plus dures, hein, le moteur. Cette maquette avec la locomotive que je monte, qui est aussi de chez Altaïa, la Mountain, c'était les deux montages les plus compliqués de tout ce que je fais en ce moment, quoi. Alors, il m'a donné pas mal de fil à retordre, ce moteur. Et je pense que pour beaucoup de personnes aussi. Après, sinon, le reste, ça a été assez facile, assez, ouais, comme les autres modèles, quoi. Pas rien de plus compliqué. Mais celui-ci, avec tous les câblages et les trucs, ouais, ça n'a pas été de la tarte, comme on dit. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, on va se retrouver pour la suite. Je pense que dans les prochains numéros, on va continuer à avancer tout ça. Et voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut.